Ok les gars, aujourd'hui on va faire un parcours de domino géant. Et le dernier domino va déclencher ça. Et cette télécommande va faire exploser ça. Boum! Un feu d'artifice mon gars. C'est pas incroyable l'idée? Mais avant ça les gars, par contre faut le tester, on l'a jamais testé. Donc logiquement, j'ai accroché les fils sur le 6. J'allume, je mets ça par terre. En gros va falloir mettre la mèche à l'intérieur. Et après, le domino va enclencher le numéro 6 tout seul. Est-ce que ça marche ou pas? T'es prêt? Putain, merde! Oh putain! Oh non! Putain non! C'est bon les gars, j'ai réussi à tout faire partir. Bon, ça marche, on laisse de côté. On n'a plus besoin de tester, on sait que ça marche trop bien même. Les gars, c'est très simple, on va commencer dans le studio. Le parcours va aller dans tout le 113. Et ensuite, il va descendre en bas dans le hall d'entrée. Et il va actionner le détenteur qui va détenter le feu d'artifice. Comme ça, moi en gros, je vais être comme ça. Et le feu d'artifice va vraiment s'enclencher entre mes jambes limite. Non, peut-être pas entre mes jambes. Enfin, la télécommande. Et là, derrière moi, il y a un feu d'artifice. Et je vais rester comme ça. Non, je vais être comme un gamin en train de regarder le feu d'artifice, c'est sûr. Ok, c'est parti. Première boîte, on a ça. Anecdote, j'avais fait un parcours de domino avec mon cousin et ce bâtard, juste parce qu'il avait honte de montrer ça à ses potes parce que des fois ça foirait. Dès que ça foirait, il disait: oh mon Anthony, qu'est-ce que t'as fait? Je vous mets l'extrait tout de suite. Ah, ma fille. Anthony, oh là là. Du coup, Pio, t'aimerais qu'on commence où? Pac-Man. Donc là, tu commences direct à bam. Putain, mais là, va voir, faire très attention. Voilà. Allez les gars, on va vraiment faire des dingueries, hein. On va pas juste mettre des dominos les uns après les autres. Hein. Ok, on teste ça. Est-ce que déjà c'est beau? On teste pour voir. Par contre là, voilà, c'est ça que ça va être compliqué, c'est de faut trouver où exactement le domino va tomber. Donc on va faire un petit test à partir d'ici. Par là, on est d'accord, hein. Hop, sauf que je vais pas prendre le risque d'en mettre que un domino, je suis pas stupide, je vais en mettre plusieurs. Comme ça, il va en toucher au moins un. Je suis trop fort, mais je suis dégoûté parce que ça marche. Du coup, faut que je refasse. Bon, les gars, là, on a fait ça. Ça va arriver ici. Il va faire un looping pour activer celui-là. Ces trucs-là, c'est les pires. À chaque fois, ils te plantent. Tu sais pas pourquoi, mais les gars, j'ai l'impression que j'ai une chaîne YouTube de domino. Là, je donne des conseils, je donne des trucs et tout. Je comprends pas trop en fait là ce qui se passe. On va écrire un truc. On va écrire Lox au sol. Waouh. Je vous aimais bien ou pas? Moi, j'adore. En fait, je vous explique. Putain, j'en ai marre. Toute la vidéo, vous allez croire que je me fais passer pour un pro de domino. Mais c'est réel. Ça m'a vraiment intéressé quand j'étais petit. C'est une passion, les gars. En gros, quand tout va tomber, ça sera beau. Plus lisible et beaucoup plus stylé, vous allez voir. Ça va être une dinguerie, ça va être incroyable, je vous le dis. Les gars, quand j'étais petit, je dormais avec ma soeur dans la même chambre, ok? Et non, c'est pas bizarre, commencez pas à dire que c'est bizarre. J'étais petit, ok? Et j'étais souvent somnambule quand j'étais petit. Et ma soeur m'a raconté, en pleine nuit, je me suis réveillé et j'ai fait des dominos, les gars. Et je disais, j'ai un cercle sur la tête. Pour vous montrer à quel point c'était une passion, hein, j'en ai fait tout le temps des dominos, partout, même quand je dormais, les gars. Voilà. Je préfère en mettre un là de sécurité. Avec les années d'expérience que j'ai derrière moi, je sais que ce domino là fera la diff. Ok, let's go. Les trucs qui marchent pas. Dans les commentaires, dites-moi maintenant, pour l'instant, à votre avis, qu'est-ce qui va pas fonctionner dans cette pièce. Bon, les gars, à partir de maintenant, on va passer à l'étape au-dessus. Bon, c'est un peu de la triche. Ça, c'est une petite voiture, les gars, c'est trop stylé. Tu mets ça dedans, tu mets tes dominos dedans, t'appuies, tu l'allumes, genre. Et là, elle te place tes dominos. Hop là. Vous êtes prêts? Let's go, mon gars. Bon bah les gars, merci d'avoir suivi la vidéo et je reviens, tu tapes vite s'il te plaît, tu finis tout. Allez, salut. Là les gars, regardez ce qu'on va faire. Venez ici moi. On va remplir tout le couloir. Voilà, on va venir ici. Ça déjà, on va l'enlever parce que ça va être trop dangereux. On va peut-être aller aux toilettes. On va continuer. Et on s'arrête ici parce que dans cette pièce, justement, regardez ce qu'il y a. C'est en travaux. Choisis la bonne porte. Il y aura la porte bleue ici, une porte rouge. Tu choisis celle que tu veux. Imaginons, je choisis la porte bleue. Et voilà, là il y a une vitre entre les deux. Donc imaginons, je choisis la mauvaise pièce. Et bah je suis dégoûté. Et il y a l'autre d'en face dans la pièce là où vous êtes qui a choisi la bonne et qui est trop content et qui me voit en train de souffrir. Les gars, abonnez-vous parce que le prochain épisode, logiquement, si l'invité accepte, ça serait une dinguerie. Le dernier épisode c'était avec Michou, donc la barre était déjà très très haute. Donc imaginez juste le prochain invité, ça va être une dinguerie. Ensuite, on va descendre en bas. Ça va être une dinguerie de descendre en bas. Ça me fait très peur. Et ça va être ici même. Je vais être comme ça et entre mes jambes, il y a le bouton qui va s'activer. Et là derrière moi, vous entendez. Ça va être une dinguerie. Là, on sortira et on pourra fêter les feux d'artifice ensemble. Parce qu'il faut profiter quand même. 40 balles le feu d'artifice. Allez, j'avance et on se retrouve juste après. Les gars, regardez ce que j'ai commencé à faire. What? Ah, c'est stylé! Et t'es sûr de ce qui va se passer ici? On a fait un test, donc logiquement, oui. Oh, mec, oh, j'ai en non, 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 non. Mec, je te fous de balle. J'en ai deux. J'arrête de filmer sinon, on va faire des conneries. Quoi? Oula. C'est quoi ce bruit? Oh, qu'est-ce que t'as fait? Les gars, j'étais dans le studio à Raph, il voulait me montrer un truc 2 secondes. J'entends. Anthony!
On est en train de faire des tests par rapport à ça. En gros, là, ça va monter, ça va activer ça. Et la boule, elle va retaper dans un domino qui va activer ça. On a fait un test 3 fois. On a voulu refaire un 4e pour être 100% sûr. Et je suis parti et il a fait une dinguerie. Pauvre Pio. Non. Putain, Pio. Ah, mais heureusement, tu l'as arrêté là. Hein. Oh non, moi, gèle. Il tremble, tu trembles. Non, pas dans le. Dommage, la cam a filmé pas. Ah, t'as sauté par terre. Ah, il a sauté par terre, oui. Bon, on se reprend beaucoup plus tard, on va tout refaire. On va avancer là-dessus, là. Les gars, j'en avais plus de 1000, regardez ce qui me reste. Mais après, j'ai des caps là, plus j'ai pris aussi des DVD de chez moi. Donc, ça devrait le faire. Bon, là, les gars, regardez bien. Là, on va essayer de faire rouler la cire d'Ertis. D'ailleurs, les gars, je me coiffe tous les jours avec. C'est une pure pépite. Allez l'acheter, c'est dingue. Je mets que ça. Je peux plus acheter de la cire de Carrefour. Regardez bien, j'espère que ça va marcher, ce que je viens de faire. C'est risqué, mais je pense que ça, c'est assez lourd. On prend des risques, hein. Les gars, écoutez-moi bien. S'il y a 0 échec dans tout le parcours, vous devez absolument tous vous abonner et mettre, même ceux qui commentent jamais, là, d'habitude, là, mettez vraiment, alors, mettez trop fort, s'il vous plaît. Saucez-moi un peu. Ok, les gars, regardez bien. On a trouvé un système. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, ça va monter les escaliers. T'as vu, j'ai mis des dominos jaunes sur le noir. Ah, une qui est pas bon. Pour ce petit détail, je peux tout niquer. Le dernier domino jaune va actionner ça. La boule qui est dans ma poche, parce que la boule, elle a déjà tout niqué une fois. C'est à cause de la boule, tout à l'heure que ça a tout niqué. Ça va actionner ça, ça va faire. Hop, il y a un domino qui va tomber. Ça va réactionner ça. Et là, top. Vous avez tout compris? Non. J'ai l'impression que ça avance pas. Oh, j'en peux plus. Et oh, j'en peux plus. C'est quoi? Il s'est passé quoi là? Vous avez entendu ce qui vient de se passer là? J'étais à deux doigts de péter un plomb là. Heureusement qu'il n'y avait pas les billes. Hein. Oh là 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 là. C'est quoi? C'est moi? Au moins ça marche, ouais. Putain, tu m'étonnes que ça marche. Donc là, juste visuellement, là. La voiture, elle va looping et partir dans les escaliers qui sont juste là. Sauf que le parcours va continuer jusqu'à là-bas et revenir ici pour ici enclencher un truc dans les escaliers. Je vais essayer de faire une genre de tyrolienne. Bon, les gars, j'ai pris un DVD, The Mask, vous connaissez ou pas? J'ai fait un trou à l'intérieur. Vous voyez le trou là? Je vais passer une ficelle et j'essaie de faire une genre de tyrolienne. La ficelle, elle va passer là pour qu'en gros le CD il soit là de base. Et là, quand il tombe, hop là, vous avez compris? Et il va taper un autre CD en bas. Je vais tester ça, je vais essayer d'accrocher ça. C'est parti. Ouais, incroyable. Les gars, c'est très simple. À 10 000 pouces bleus, on fait une partie 2 avec 10 000 dominos et surtout plus de feux d'artifice. Voilà, c'est dit. Voilà, à vous. Maintenant, c'est entre vous, hein. C'est vous qui voyez. Les gars, là, on va finir en haut et on se retrouve juste après pour commencer à activer le détenteur. Oh, j'ai hâte, j'espère que ça va marcher. Putain. Let's go, à toutes. Regardez là, il est en train d'essayer de mettre des petites aiguilles comme ça. Quand il va descendre le truc, il va taper dans le ballon et boum. Ça sert à rien, mais c'est visuel, c'est cool à voir. C'est une bonne idée, ça. Ah non, 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 on va pas tester. Vas-y, allez, on teste. Vas-y. Oh, ça, c'est stylé. C'est parti, il faut charbonner maintenant. Bon, les gars, on passe à la dernière épreuve. On n'en peut plus, on est mort. Il est actuellement 23h35. Je suis mort, on est mort. Donc là, dernière épreuve, le DVD qui descend, qui reprend les DVD. Et là, on va s'approcher petit à petit à ici, les gars, où je vais être comme ça, avec les feux d'artifice derrière. Donc là, on prépare le meilleur. Donc là, c'est pas le moment de partir de la vidéo, les gars. Vous allez rater le meilleur. Voilà, on ouvre la petite boîte. Ça, on va le mettre après dehors. En gros, oh putain, j'allais appuyer, il est éteint le truc. Bon les gars, juste petite présentation du parcours vite fait avant de passer au final, ça va être une dinguerie. On appuie, tac, autour, ça va en bas, ça vient là, looping. Là hop, parcours ici, autour de la plante, ça vient ici. Là la petite cire du frérot Ertis qui roule et qui vient ici. Là ici, l'escalier du lock, ça monte. Il y a à la fois, fiu, la voiture qui va partir dans les escaliers, mais aussi le parcours qui va jusqu'à là-bas. Oh là là là, il part jusqu'à là-bas. Les DVD se mettent en place. Là il y a le DVD qui tombe en bas avec la ficelle. Hop, le DVD qui tombe, qui éclate le ballon. Et là pour finir les gars, qui appuie sur cette télécommande pour activer le feu d'artifice. On va enlever les sécurités, placer les feux d'artifice et place au spectacle. Pio, let's go! Let's go! Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Oh, c'est mieux là.
c'est le final. C'est le final. Oh, ça fait trop peur. Oh, hein. Dingue. Les gars, c'était vraiment un vrai feu d'artifice. Ah, je suis... Ah, c'était court, mais intense. Mais vraiment. Ah, c'est une dinguerie. Je veux faire ça tous les jours. Je veux faire ça tous les jours. C'était pas une dinguerie? Bah, c'est une journée normale au 113, hein. Bon, les gars, j'espère que vous avez apprécié. Vous avez vu, il y a eu 2-3 foirures. Mais franchement, le final était incroyable, les gars. Ça a fonctionné, le petit truc de la télécommande. N'oubliez pas, les gars, à 10 000 likes, on refait une partie 2 avec 10 000 dominos. Et à la fin, un feu d'artifice encore plus gros. Abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir, les gars. On se donne à fond sur les concepts. On se donne rendez-vous une fois par semaine. Prenez soin de vous, gros bisous la team.